Eurovision 2018, qui est le qui a fait éruption sur scène pendant le passage de la Grande-Bretagne? Après son éruption sur scène lors de l'Eurovision 2018, un homme a été placé en garde à vue. Edson rapporte que ce perturbateur est très connu outre-Manche. Sur le représentait la Grande-Bretagne samedi 12 mai lors du concours de l'Eurovision. Et en pleine prestation de sa chanson Storm, la chanteuse a connu un petit désagrément. En effet, un homme a fait éruption sur scène pour lui voler son micro, et a été interpellé avant de pouvoir faire passer son message devant le public. Et le tabloïd de Sun a identifié l'homme en question. Il s'agirait d'un perturbateur bien connu outre-Manche, qui se présente sous le nom de Docteur Hackativisme. En effet, le tabloïd rapporte que c'est le même homme, qui était venu perturber la dernière finale de The Voice en Grande-Bretagne en avril 2017, et un peu plus tôt cette année, les National Television Awards. Reconnu grâce à son t-shirt, et son bandana qui étaient les mêmes que lorsqu'il avait perturbé ses autres événements, la BBC rapporte que l'individu, qui ne serait pas de nationalité britannique, aurait crié nadir des médias britanniques, « Nous demandons la liberté dans le micro ». Il a été immédiatement placé en garde à vue. Visiblement embêté par ce moment, Sun a tout de même pu compter sur les supporters britanniques, et le public qui ont repris en chœur, sa chanson le temps que quelqu'un lui apporte un autre micro. Elle a ensuite offert un magnifique final à ses fans pour compenser cette fâcheuse interruption.